Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et vlog numéro 31 qui sera le dernier vlog, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui vous attendent. Aujourd'hui c'est le retour sur la vidéo du 30 janvier où j'avais fait des photos que j'ai mises sur Instagram et je vais voir avec vous ce qu'il en est au bout de 6 mois. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par la plus rapide, la photo 1. Je n'ai commencé que la robe à rose. Comme je le fais en robe et pas en pull, c'est assez long, mais alors, bah, y a plein de pelotes, puisqu'il y a les pelotes de merino, les pelotes de mohair, et puis c'est un projet très chaud. Donc là, sur cette photo, il y a 7 autres projets à part le Haros, mais c'est beaucoup du mohair, de l'alpaga, c'est des projets épais et que j'aurais envie de faire plutôt cet automne. Donc pour la photo, un seul projet en cours, la robe Haros, qui a bien avancé parce qu'il me semble que je suis presque sous mes fesses. Donc bon, après je la veux, je sais pas si je la veux mi-mollée ou un peu plus longue, on verra. Photo numéro 2. Alors là, la photo numéro 2, là, il y a pas mal de choses à dire. Parce que la Sunny Violette, ça devait être un Sunkiss de Sarah Norlund, c'est devenu un Tamias. La Cicelle, c'est bien devenu un Top Nude de Lucienne Tricotte. La Fraîche du Steen Eating est bien devenu un Top Mamsel. Et puis la Tencelle de Squirrel Yarn, qui devait être un Top Baigneuse d'Atelier Emily, est devenu un Top Dolce Vita d'Atelier Emily. Je suis restée chez Atelier Emily. Et les deux coloris marron et beige de Un fil de laine, eh bien, je voulais faire le châle saison et je pense que je vais les utiliser pour le châle anniversaire de Même les Anges Tricotent. Donc, sur cette photo, il va me rester 3 projets à faire. En revanche, j'ai fait un châle sample, le châle Madeleine de Loli Lafay pour la marque Un fil de laine. J'ai fait le top Vev en test, j'ai fait le top Anke en test, j'ai fait le Baya en test et je suis en train de faire le Kadakas Light en test. Donc j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5 projets sur cette partie. Il va m'en rester 3, notamment des châles. Voilà. Photo numéro 3. Alors je vous les montre pas en vrai, je vais mettre les photos, je vais essayer d'insérer la photo, peut-être cocher, peut-être mettre des petites miniatures de ce que j'ai fait avec ou pas. Et là, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Et photo numéro 3. Alors, la laine violette de Au fil de rue, c'est devenu une paire de chaussettes pour mon père et une Sophie Scarf. La Woolbutt, l'éruption de couleur, et sur la rive côté laine, c'est devenu des chaussettes azalées. Donc il y a une paire qui est finie, celle en éruption de couleur, et puis il y a deux paires qui doivent être... où j'ai qu'une chaussette sur les deux. Il me reste donc 7 projets, sauf que par rapport à cette photo, j'ai fait les chaussettes ensemble, les chaussettes inséparables pour Florence du Steen Eating. J'ai tricoté un Oslo Pokémon pour mon mari, j'ai fait une paire de chaussettes pour ma belle-sœur et j'ai fait une étole feuillage, qui est mon modèle gratuit. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 projets en plus. Après c'est des projets chaussettes. Et voilà, je sais que ça va être fait pendant l'hiver. Et enfin, photo numéro 4 qui était les réparations. Comment vous dire? J'ai défait le pull de Sarah Norlund en gilliatte. J'ai mis les boutons sur mon gilet Sophie et j'ai rallongé mon sol d'Otna que du coup je porte que j'ai beaucoup plus porté automne-hiver. Il me reste donc 5 réparations dont 2 à défaire. Il y en a 2 où je devais refaire une encolure mais je suis pas sûre. Donc en tout cas il y en a 2 à défaire et puis il y en a 2 où il faudrait et 1 où il faudrait absolument que je finisse les manches. Et j'ai fait 2 réparations en plus puisque vous avez vu le cadakès, le blanc. Où il faut que je rajoute l'élastique sous la deuxième emmanchure et le vert, je pense que je vais enlever l'élastique et quand je rangerai mes restes, je rajouterai le reste de Kaleido pour vraiment fermer. Donc ça c'est pour les 4 photos. Donc au final en 6 mois, j'ai quand même bien entamé ce stock,
Mais j'ai fait d'autres projets en plus. Et là, je n'ai compté que les projets que j'avais fait après la photo. Et au final, quand je regarde, si mon Ravelry est à jour depuis le 1er janvier, si vous regardez, il y a des choses que j'ai commencées en novembre-décembre, que j'ai fini en janvier, février, où j'ai commencé avant 30 janvier, j'ai fini après février, je pense, si je les ai comptées. Donc du coup, j'ai quand même fait pas mal de choses. Que, par exemple, mon pull de Noël, je crois que je l'ai fini début janvier, alors que... Mais je ne l'ai pas compté dans ça. Et en plus, il va falloir qu'il se rajoute dans les réparations, parce qu'il va falloir que je rallonge les manches. Le but de ce projet photo, c'était de faire un peu un tour de mon stock. Si je commençais à avoir pas mal de choses, que cette année, avec mon agrégation, je manquais de temps et je me suis dit... J'ai pas acheté alors que je manque déjà de temps pour tricoter. Voilà, j'avais envie de taper dans mon stock. Et au mois de juillet, j'ai aussi, entre guillemets, utilisé mon stock de loisirs créatifs voilà, que j'avais des fois depuis un petit bout de temps ou que j'ai eu récemment et que j'avais envie de tester. Et j'ai rajouté du stock avec la broderie par exemple. Donc, ce que j'aimerais, c'est que on se retrouve dans 6 mois aussi pour faire le bilan au bout d'un an, que sont devenus ça, sachant que voilà, sur la photo 2, il me reste 3 projets. Sachant qu'au lieu de faire ces 3 projets, j'en ai fait une, deux, trois, quatre. J'en ai fait 5 autres. Donc, je pense que c'est faisable en fait. Pareil, les 7 projets qui restent sur la photo 1. Il y en a où j'ai vraiment vraiment envie de les monter, mais bon là je mets le gilet parce que il fait pas très très beau aujourd'hui, et puis quand on est fatigué on a un peu froid. J'avouerai que je sais pas, c'est possible en fait, c'est large possible. Et puis c'est bien d'avoir fait une photo 4 où j'ai mes réparations parce que ben, ceux que j'ai réparés, je les ai portés, donc c'est que c'est nécessaire et que vaut mieux ça que les laisser dans le placard. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour terminer. Je vais faire une autre vidéo plus tard, alors peut-être la semaine prochaine, pour me laisser du temps pour faire le bilan de ce vlog, pour vous dire combien il y a eu de vidéos, combien il y a eu de vues, est-ce que... Voilà, voir... un retour sur ça. Et comme c'est la dernière vidéo du vlog, il y a encore un sponsor. Donc dernier sponsor de ces vlogs, il s'agit de Caroline Création qui m'a proposé un cadeau des bobines Pattern. Et donc les bobines Pattern, c'est une entreprise de couture avec enfin de couture, de patron de couture proposé par Anaïs et Caroline depuis fin 2017, début 2018. Leur patron, c'est à la taille 34 à la taille 56, ce qui est quand même extrêmement inclusif, et elle propose des box couture, ça je savais pas, je pensais qu'il y avait que des patrons, mais il y a des box couture qui est le même prix du 34 au 56. Donc ça aussi c'est quand même inclusif, hein, parce que souvent on paye plus cher quand il y a plus de tissu, ce qui peut paraître logique, mais ce qui du coup ne va encore éloigner certaines personnes. Parce que plus on est grande, plus on est ronde, plus on a besoin de tissu, plus on a besoin de laine et plus ça coûte cher. Et là au moins c'est le même prix. Et elle tenait à le souligner. Et elle va donc vous offrir 2 livres. Donc il y aura 2 personnes qui seront tirées au sort pour avoir le livre Je crée ma garde-robe. Donc je mettrai pareil, elle m'a envoyé la photo. Et qu'est-ce que je vais vous demander? Alors, je sais déjà que la plupart des gens me suivent plutôt pour le tricot que la couture, mais finalement, quand j'ai parlé broderie couture, j'ai quand même eu pas mal de commentaires positifs là-dessus. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes... Moi, je suis plutôt patron papier. Est-ce que vous êtes plutôt patron papier ou plutôt patron PDF? Et j'espère vraiment que
voilà, que c'était agréable pour vous au mois de juillet là de me suivre dans mes petites aventures. Et je remercie grandement Bobine Pattern pour ces jolis cadeaux, donc de deux livres avec plusieurs modèles dedans. J'ai même pas regardé combien il y avait de 18 modèles. Pareil, du 34 au 56, avec des robes, des shorts, des bombers, des blouses, vraiment très très variés, hein, vraiment. Quand ils disent garde-robe, c'est pour se faire une garde-robe complète. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez. Et là par contre, je ne peux pas vous dire à demain. Là, je pense que nous sommes lundi, donc je vais vous dire soit dans une semaine, soit dans 15 jours. Ça va dépendre de l'avancée de tout ça. Qu'est-ce que je vais vous prévoir? Un bilan. Podcast parce que je vais avancer sur plein de choses, la vidéo couture du sac à projet et ça fait déjà trois vidéos pour qui devraient, enfin je pense que le bilan je le ferai avec le podcast, on a fait au moins deux vidéos avec le tuto qui devraient arriver au mois d'août, donc soit dans une semaine, soit dans 15 jours. Au revoir.